allez voir aujourd'hui quelle est ma plante préférée, mais vu tout ça, je pense que vous l'avez déjà deviné, il s'agit de l'alocasia. Donc je vais vous expliquer un petit peu eh bien pourquoi c'est ma plante préférée, vous présenter un petit peu ma petite collection et on parlera bien évidemment de sa culture, son entretien et ne partez pas trop vite car en fin de vidéo, une petite astuce et explication pour que tout se passe bien après le rempotage. Me revoilà, j'ai un petit peu écarté les plantes pour qu'au moins vous puissiez me voir parce qu'il y en a certaines qui prennent de la place. Comme celle-ci, donc on va commencer tout de suite avec l'alocasia zébrina, aka ma chouchoute. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je l'aime énormément. Donc la voici, elle a de superbes tiges zébrées, de grandes feuilles. Elle est relativement simple de culture. Alors, je suis tombée amoureuse des alocasias avec celle-ci, c'est ma toute première. Je l'ai découverte il y a un an et demi maintenant en jardinerie. Elle était voilà, un peu camouflée comme ça entre toutes sortes d'autres plantes. Il y avait des phyllos, des monstera, des calatheas. Et j'ai tout de suite repéré son côté zébré qui m'a en fait beaucoup plu. Et je n'aurais vraiment pas pu repartir sans, même si je ne savais pas. Enfin, j'ai juste découvert à ce moment-là que ça s'appelait une alocasia, enfin un alocasia. Et voilà, donc c'est vrai que logiquement, il faut se renseigner un petit peu sur les plantes avant de les prendre chez soi. Mais là, voilà, j'ai craqué. Du coup, je l'ai embarqué à la maison. Les alocasias, donc ce sont des plantes qui font partie de la famille des aracées. Ce sont des plantes tropicales. Qui dit plante tropicale dit un besoin d'un taux d'humidité quand même relativement élevé. Alors si vous me suivez maintenant depuis mes dernières vidéos, notamment celles sur les trips et les acariens que je vous mets en suggestion si vous ne l'avez pas vu, je vous y dévoile avec le petit hygromètre le peu de taux d'humidité ambiante que j'ai à la maison. Voilà, je n'ai pas énormément d'humidité. Le plus que j'avais eu jusqu'à présent, c'était 42%, si je dis pas de bêtises. Ici, on a eu plusieurs jours de pluie d'affilée et où il a fait, enfin, les températures diminuent. Du coup, j'en ai un petit peu plus, mais je suis toujours en dessous des 50%. Je suis montée à 47%. C'est pas vraiment normalement suffisant pour ce type de plante. Et pourtant, je trouve que les alocasias, ce sont des plantes qui s'adaptent plutôt bien à leur milieu de culture, contrairement par exemple aux calatheas. Voilà, les calatheas chez moi, ça ne va pas du tout. Il m'en reste une là de tille que j'ai pas crûment foutue à la salle de bain parce que c'était juste pas possible. Elle me faisait toujours ses feuilles crusty shock, comme j'appelle ça. Donc, vous savez, c'est ces feuilles qui s'assèchent complètement et que vous savez que dès que vous les touchez, ben, ça va croustiller entre vos doigts. Et voilà, c'était juste pas possible. Du coup, pour les alocasias, je trouve qu'elles s'adaptent mieux que les calatheas. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est ce qui se passe. Voilà, pas beaucoup de taux d'humidité, pas d'humidificateur. Et pourtant, elles évoluent vraiment bien. Elles font de belles feuilles, bien grandes. Enfin, voilà, du coup, je pense que... comme pour toute plante, en général, je conseille de tester avec une de cette espèce-là pour voir comment ça se passe. Et puis, garder aussi à l'esprit qu'il y a plusieurs variétés et que chaque variété aussi, malgré tout, même si ça fait partie de la même espèce, a un petit peu... ben voilà, ces petites choses comme ça qui vont un peu être différentes. Je vous en parlerai un peu tout à l'heure niveau arrosage. Vous verrez qu'il y en a une qui préfère avoir son terreau qui sèche un peu plus que les autres. Donc voilà, mais ça c'est des choses qu'on observe au fur et à mesure. Au fait, on apprend voilà à connaître chacune de ces plantes. Mais je pense qu'il faut quand même tester du coup, ne pas se priver d'avoir des plantes tropicales si on n'a pas forcément beaucoup d'humidité chez soi. Essayez avec une, voyez ce que ça donne et ensuite une deuxième, une troisième et puis voilà, vous faites votre petite collection comme ça. Au niveau de l'arrosage, ce sont des plantes qui aiment avoir un terreau qui reste quand même relativement humide, mais attention,
humide ne veut pas dire détrempé. Moi, ce que j'appelle un terreau qui reste humide, je vais prendre celle-ci pour vous montrer. Un gros pot, ce sera plus simple pour vous montrer. Moi, ce que j'appelle constamment humide, c'est-à-dire que je vais vraiment venir enfoncer mon doigt dans la terre, dans le terreau. Et je vais faire en sorte que, enfin, dès que je sens qu'il est sèche sur deux phalanges, donc deux phalanges, eh bien, je vais arroser de nouveau. Voilà. Je ne vais pas arroser si le dessus est toujours humide. Je vais juste vraiment attendre, voilà, quelques centimètres de deux phalanges, comme je dis, que ce soit sec pour venir arroser de nouveau. Comme ça, vous avez la quasi-totalité du pot qui est toujours légèrement humide parce que l'alocasia ne supporte pas avoir les pieds dans l'eau. Voilà, là vous avez vraiment le risque que les racines pourrissent et jusqu'au tubercule qui se mettrait à pourrir aussi. L'alocasia Dragon Scale qui est juste superbe, elle a des feuilles, celle-ci vraiment très très épaisses, très texturées avec un revers vert très clair, presque blanc même, et les nervures pourpres. Celle-ci, voilà, j'ai remarqué, je sais pas, dites-moi si vous en avez une ici chez vous, c'est pareil. Mais moi, j'ai remarqué qu'elle préfère avoir le terreau qui va sécher un petit peu plus, au moins sur la moitié de son pot. Donc, c'est ce que je fais pour celle-ci. La Black Velvet, donc qui a un toucher, comme son nom l'indique, bah, assez velours. Elle a des feuilles vertes très foncées, presque noires, d'où son nom aussi. Et un joli contraste du coup avec ses nervures. Elle a aussi un revers un peu pourpre. Alors moi, elle est petite, hein, c'est un bébé. Du coup, voilà, je sais que c'est un petit peu plus pourpre après. Il faut un peu le temps. Et celle-ci, elle s'est bien acclimatée à la maison aussi. Et elle est d'ailleurs en train, je ne sais pas si vous le verrez, mais de faire ici. Elle va préparer une nouvelle feuille. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec celle-ci, c'est que dans ces nouvelles feuilles, elle va avoir aussi des, comment dire, un reflet un peu ambré, un petit peu en fait comme je trouve le philodendron micans. Vous voyez ces reflets et cette couleur un peu ambrée, elle va l'avoir par transparence lorsque la lumière traverse les jeunes feuilles. Donc vraiment celles qui viennent de s'ouvrir, qui disparaît après par la suite une fois que les feuilles arrivent à maturité. Ensuite j'ai celle-ci donc qui est la Pink Dragon. Donc elle a les tiges roses pâles et je vais pas dire zébrées mais plutôt mouchetées. Voilà, donc elle est vraiment très 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 belle aussi. Celle-ci, elle a eu un peu plus de mal à s'acclimater, mais voilà, elle est partie. Elle a fait cette feuille-ci dernièrement et on devine un petit peu, mais c'est pas pour tout de suite, mais on devine que voilà, il y a déjà l'emplacement pour la nouvelle feuille à venir, mais qui ne sera pas pour tout de suite à mon avis. Surtout que là, on arrive quand même à la période où les plantes vont ralentir leur croissance, voire même se mettre totalement au repos bientôt. C'est une très belle alocasia aussi à avoir chez vous aussi, vous pouvez. Alors oui, comme vous voyez, donc, et vous allez voir qu'il y en a d'autres qui sont moins fournies. Alors c'est tout simplement parce que les alocasias, par pied vont pas faire non plus des feuilles en abondance. Voilà, vous allez pas non plus avoir des feuilles de fifou. Par tubercule, on va être entre 3 et 6 feuilles si vous avez de la chance, 6 feuilles par tubercule. Le maximum que moi j'ai eu avec la Zébrina, donc celle-ci donc qui est bien adulte, ça a été un maximum de 5 feuilles par tubercule. Voilà, donc il y a eu un temps où j'en ai eu 10 en même temps. Donc là, c'est juste magnifique. Mais voilà, personnellement, ça ne me dérange pas d'avoir un seul pied dans un pot. Ça donne une autre allure, tout simplement, quelque chose de plus épuré et élancé. Ensuite, j'ai également la Silver Dragon cette fois-ci.
Donc avec vraiment aussi assez texturé, c'est ce que j'aime beaucoup chez les dragonnes. Elles ont ce côté vraiment très marqué, très texturé comme ça, c'est super beau. Avec le reflet donc argenté et les nervures couleur plutôt pourpre sur le revers. Elle aussi, elle a eu un peu plus de mal. Voilà, donc, je ne sais pas si vous le verrez, ici on le voit déjà, à mon avis vous ne le verrez pas, mais j'essaierai de vous mettre une petite photo. On voit ici déjà c'est un peu bombé comme ça, donc on sait qu'il va avoir, enfin qu'une feuille est en train de se préparer. Au niveau du substrat, c'est pas des plantes très compliquées non plus, du moment où vous aurez un substrat suffisamment riche et bien, surtout bien drainant. Donc voilà, les alocasias aiment bien avoir un substrat assez fibreux, je trouve, donc avec de la fibre de coco, de bois. Certains mettent directement des écorces aussi au mélange. Moi, j'utilise un terreau qui contient beaucoup de fibres. Donc fibre coco et fibre de bois, il y a les deux à l'intérieur. Et je viens rajouter de la perlite. Pour celle-ci, toute celle-ci, je vous avoue, je n'ai pas mis d'écorce en plus à l'intérieur. Mais vous pouvez ajouter de l'écorce directement, de l'écorce de pin, de l'écorce de coco à votre mélange. Ça leur convient assez bien aussi. Donc on a ici l'Alocasia amazonica, donc ça c'est une bouture que j'ai reçue en échange. Elle avait uniquement cette petite feuille-ci, elle a sorti celle-ci qui est déjà plus grande, elle est vraiment très belle et elle est en train de sortir encore une nouvelle feuille. Celle-ci pour le coup, eh bien c'est très bien acclimaté tout de suite à la maison. Ensuite il y a celle-ci. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup aussi, c'est l'Alocasia Yucatan Princess. Elle a donc, comme vous le voyez, des tiges en rose, mais plus foncé que celui de la pink. Voilà, ici on est plus sur un rose pâle et ici on va dire même un bordeaux, un pourpre. C'est vraiment très joli, avec des tiges mouchetées aussi, et elle a des feuilles vert très très foncé avec les nervures derrière de la même couleur que ses tiges. Celle-ci, elle s'est plutôt bien acclimatée à la maison aussi. Elle a sorti une feuille, elle a perdu deux petites feuilles, non trois, dont une qui était déjà en train de se faire la malle lorsque je l'ai reçue. Et celle-ci aussi, donc on devine ici une nouvelle feuille qui va se préparer et qui va arriver, eh bien, quand elle aura décidé d'arriver. Donc on a parlé de l'humidité, on a parlé de l'arrosage, on a parlé du substrat. Les alocasias, ce sont des plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière, mais pas de soleil direct, parce que là vous allez alors prendre le risque que ça brûle le feuillage. Donc à vous de voir un petit peu chez vous où est-ce que vous souhaitez la disposer. Vérifier l'exposition qu'il y a chez vous. Si c'est plutôt une exposition nord, nord-est, est, vous allez pouvoir la rapprocher des fenêtres ou des baies vitrées. Par contre, si vous êtes à une exposition plutôt sud, sud-ouest, voire même ouest, essayez du coup de ne pas la coller derrière la fenêtre, évidemment, parce que là vous allez vraiment avoir des brûlures sur les feuilles. Les miennes sont toutes mises au même endroit, sur ce que moi j'appelle le passe-plat. C'est un encadrement qui sépare le salon de la cuisine. Et voilà, elles sont toutes là. Donc, elles se plaisent vraiment bien là parce qu'elles ont beaucoup de luminosité, mais le soleil ne brûle pas parce que c'est une exposition sud-ouest. Mais vu qu'elles sont sur le passe-plat, elles sont assez, elles sont très éloignées de la porte-fenêtre et de la fenêtre qui est de l'autre côté.
de la pièce. Mais par contre, elles ont pas mal de lumière parce qu'il y a une très grande coupole de toit juste au-dessus. Je vais te parler du rempotage. Alors, le rempotage, on va être sur tous les ans, voire tous les deux ans. À vous de voir, vous verrez un petit peu, ça va dépendre de beaucoup de choses, du développement même de votre plan. Si vous aviez choisi un pot un peu plus large ou un pot pas trop large non plus en diamètre lorsque vous l'avez rempoté. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu de tout ça. Pour le contenant, comme vous le voyez ici, malgré que ce sont des plantes qui ont besoin de beaucoup d'humidité et qui aiment avoir le terreau humide, moi je les cultive plutôt en pot de terre cuite. Je fais comme ça. Donc ici c'est la toute dernière, c'est ma sœur qui m'a offert un pied de la sienne en fait, qui avait bien grandi. C'est ici l'Alocasia cuculata. Donc celle-ci, elle va vraiment faire comme un je sais pas si je peux dire un tronc, mais voilà, ça va ressembler un peu comme ça à un tronc. Et ensuite avoir les feuilles, mais ici elle est jeune, donc évidemment elle n'a pas encore ce tronc, je vais dire ça comme ça, qui se forme. Mais c'est aussi vraiment une très belle alocasia. Donc comme vous le voyez, elle est aussi un pot terre cuite. Voilà, à part celle-ci, parce que je n'avais plus de petits pots en fait de ce diamètre là, du coup elle est toujours dans un pot plastique, mais elle passera aussi par la suite en pot terre cuite. Donc ça, c'est à vous de voir votre préférence. Elles peuvent être aussi bien dans un pot terre cuite que dans un pot plastique. Il faudra juste faire attention du coup à la gestion des arrosages, qui se fait évidemment différemment. Un pot en terre cuite, ça respire beaucoup plus, le terreau va sécher plus vite et de manière entre guillemets plus homogène, je dirais, que dans un pot ici en plastique, parce que le plastique ne respire pas, du coup ça va garder l'humidité plus longtemps. Donc voilà, à vous de voir vos préférences, vous pouvez très bien utiliser les deux. On en vient du coup à la petite astuce. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur alocasia entre guillemets suite au rempotage. Oui, le rempotage est une étape assez délicate, mais ce qui est délicat, ça va être vraiment la gestion de l'arrosage post-rempotage. Donc voilà, moi par exemple ma Zébrina, je sais que quand je la rempote, en général elle va me perdre une à deux feuilles, gros maximum deux feuilles et pas plus. Alors donc voilà, je vous partage un petit peu l'astuce, ce que moi je fais ici à la maison avec les alocasias pour que le rempotage se passe bien, qu'elles ne perdent pas trop de feuilles et surtout de ne pas les perdre, de ne pas faire pourrir leurs racines et leurs tubercules, parce que c'est souvent, eh bien, le cas, c'est souvent ça qui va se passer. Alors je suis pas experte, je suis pas horticultrice, je suis pas pépiniériste, fleuriste, tout ce que vous voulez. C'est juste des observations personnelles que j'ai pu faire, sur les miennes. Et voilà, que j'en ai fait des déductions qui m'ont amené à mettre des choses en place qui fonctionnent vraiment très bien. J'ai pas eu jusqu'à présent, je touche du bois, de grosses pertes, enfin jamais d'ailleurs, voilà, même celle-ci que ça fait un an et demi et elle en a subi des rempotages parce qu'elle avait bien évolué. Du coup, ce que je fais lors du rempotage, c'est vraiment une attention particulière, très minutieuse sur les arrosages, aussi bien au moment du rempotage que dans les semaines qui vont suivre. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, je reprends celle-ci pour vous montrer. Tout à l'heure, donc on a parlé des besoins qu'avait l'alocasia pour les arrosages. Donc un terreau qui reste
humides mais pas détrempés, avec donc un substrat bien drainant, etc. Pour le orang potage, ce qu'il faut faire attention à mon sens, c'est de venir apporter un arrosage extrêmement léger. D'habitude, quand on rempote une plante, on va bien l'arroser jusqu'à ce qu'on ait de l'eau qui s'écoule assez fort du trou de drainage. Pour les alocasias, au moment du rempotage, je vous conseille de faire différemment. Donc personnellement, ce que je fais, c'est que je viens arroser tout doucement. Je laisse l'eau que je vois en surface, je la laisse bien s'écouler. Quand je ne vois plus s'il n'y a rien qui coule, je vais recommencer, mais très doucement. C'est juste jusqu'au moment où je vois des gouttes et non pas des filets d'eau, voilà, mais plutôt des gouttes qui s'écoulent du trou de drainage. Dès que je vois ça, je stoppe. Je laisse évidemment bien égoutter les quelques gouttes qui vont tomber avant de la replacer sur sa soucoupe pour éviter toute eau stagnante. Ensuite, les semaines qui vont suivre, eh bien, je vais tout simplement lui donner les soins tout contraires. Donc là, je vais faire l'inverse. Je vais attendre que son substrat sèche dans la quasi-totalité du pot. Et c'est seulement là que je vais venir arroser à nouveau, mais toujours de la manière dont j'ai expliqué tout à l'heure. Donc vraiment un arrosage très léger. Et je vais faire ça, alors je ne vais pas vous dire une semaine, 15 jours, ça va dépendre vraiment là de votre plan. Je vais faire ça jusqu'à ce que je remarque une nouvelle activité sur la plante. Une nouvelle activité, c'est quoi? Eh bien, c'est ceci. Vous allez voir, donc, une feuille en préparation. Et dès que je vois la feuille qui sort, eh bien, là et seulement là, je vais reprendre les soins normaux. Donc, je vais de nouveau l'arroser pour que son terreau reste bien humide. C'est vraiment quelque chose que je fais maintenant donc, pour celle-ci et pour toutes les autres qui sont arrivées aussi. Il y en a qui sont arrivées au mois de mars pour mon anniversaire. Je m'étais fait une petite commande. Si vous n'avez pas vu, je vous mets la vidéo. C'est dans le premier vlog où il y a le unboxing de Online Baby Plant. Du coup, je procède vraiment comme ça pour toutes les alocasias. Comme ça, je suis sûre que tout se passe bien et d'avoir vraiment très peu de pertes de feuilles et de surtout ne pas venir risquer de faire pourrir ni les racines ni le tubercule. Alors, pourquoi est-ce que l'alocasia fait ça? Eh bien, comme j'ai dit, je ne suis pas une pro, je n'en sais rien du tout. J'ai juste une supposition. Alors, dites-moi aussi en commentaire un petit peu ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez remarqué ça chez vos alocasias. Pour moi, je pense que l'alocasia, lorsqu'elle est cultivée d'une manière lambda, donc dans un appartement, une maison, dans un climat tempéré, pas un climat tropical, bien évidemment, si on habite sur une île, ça va être différent. On est bien d'accord, le climat n'est pas le même. Mais voilà, donc je parle vraiment d'une culture en appartement, maison, dans un climat européen. Et une culture où, voilà, comme chez moi, on n'a pas vraiment d'humidité ambiante. Je pense qu'au moment du rempotage, l'alocasia subit peut-être un stress un petit peu plus important que les autres types de potos, par exemple. Je prends la plante peut-être la plus facile au monde, le potos. Voilà, le potos lui aussi subit un stress lors du rempotage, mais voilà, je pense que l'alocasia, lorsqu'elle n'a pas les autres conditions à leur summum, donc vraiment, je sais pas, 80% d'humidité autour d'elle, etc., je pense du coup qu'elle va subir peut-être un stress un petit peu plus important lors du rempotage, ce qui fait que la demoiselle va avoir besoin, eh bien, de s'installer tranquillement, doucement dans son nouvel appartement, son nouveau pot, et que de ce fait-là, elle va boire beaucoup moins. Et du coup, si on arrose comme on le fait d'habitude, la plante n'a pas le temps, en fait, de boire. Le terreau va rester humide
soit trop fort, soit trop longtemps dans le temps, ce qui va au final créer une asphyxie et au niveau des racines, ça va pas bien respirer, etc. Du coup, voilà, je pense que c'est un petit peu ça ce qui se passe. Après, encore une fois, supposition totale. Voilà, pour moi c'est un peu ce qui se passe. Voilà, la plante a besoin de s'installer, elle boit moins, du coup il lui faut vraiment quelque chose de très drainant, de pas trop gorger en eau pour pouvoir s'installer tranquillement dans son nouveau pot et pouvoir de nouveau venir eh bien reprendre sa croissance. Voilà. Après, encore une fois, je répète, je me répète beaucoup, mais voilà, je tiens à insister là-dessus. Ce n'est vraiment qu'une supposition de par plusieurs observations que j'ai pu faire chez mes alocasias ici à la maison. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à me laisser comme d'habitude vos commentaires et puis à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et que le cœur vous en dit. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous green. On se retrouve dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Thank you.